Jigoro Kano Shihan performs the Koshiki no Kata with Yoshitsugu Yamashita, 10th Dan. The Koshiki no Kata are largely based on the kata of the Kitoryu of Jujitsu. Tu dois faire ça et ouais. Ça. Ouais. Oh, remets-toi debout. Donc, voilà, c'est. En même temps, voilà. Je vais rentrer mes orteils. Et là, écart. Et là, c'est 1, 2. Pas trop. Shizentai. Là, t'es un gigotai. Shizentai, c'est la même des épaules. Gigotai, c'est écarté. Oui, ah, mais là, c'est les épaules. Ouais, Shizentai. Donc, moi, c'est gauche, droite. Gauche. C'est ça? Ouais. Bon, ok, lui. Là. Et après, un. Voilà, alors tu vas modifier un petit truc, regarde sur la. Voilà, tu vas modifier un petit truc, regarde. C'est bête comme chou. Donc tu fais comme ça là, regarde. Tu avances le premier, tu lèves un petit peu le talon et tu marques un arrêt. Ensuite le son, tu lèves un petit peu le talon et tu marques un arrêt. Au lieu de faire ça, tu vas. Voilà, j'ai compris. Tu vois. Et en levant le talon, tu pointes. Tu vois. J'exagère, mais ça donne ça. Ouais. Et ton sixième, ça doit être celui-là. Normalement, oui. D'où tu pars, ça doit faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est pile. Et toi, où tu es là ? 5 et 6. Ouais. Et ton 6, il doit être exactement là. Tu verras, c'est vachement important. Parce que là, tu vas partir en déséquilibre. Il doit être pile poil là, ton 6. Donc tu t'arranges pour le faire glisser juste là. Encore, bien. C'est le plus dur. Une fois qu'on aura appris ça, après. Cette démarche. Et puis, là, tu fais ça. Assez. Mes épaules sont. Voilà, très bien. Voilà. Là. Très bien. Et maintenant, on va repousser. Et c'est en même temps. C'est presque toi qui. Là. On y va doucement. Tu dois me sentir. Là. Allez, t'es là. Moi, je suis là. Là. Tu tends. Voilà. Non. Tu m'amènes après. Tu tends, mais tu ne m'amènes pas dans ce bon état. Tu vas m'amener au moment où tu fais le taïsabaki. Là, c'est ça. Là, et là, au moment où tu fais. Voilà, là, on est dedans. Et là, on repart. Là, tu y es. Là, on y est. Là, on y est. Mais tu ne te penches pas autant sur l'arrêt. Ça va être naturel. Voilà. Voilà. Alors là, tu arrives, là, 6. Stop respiration, 2 microsecondes, c'est pas directement. Voilà, tu fais le geste, tension, voilà, très bien. Et là, tu y vas. Vois, je t'ai suivi là. Là, comme ça, là, c'est parfait. Et là, on repart. Et t'en remets un peu l'autre. Et là, on repart. Là, voilà, là, ça se dessine. Non, sur le nez. Mais c'est ça, là, on y est. Les mains sont pas collées. 6. Voilà. 6, c'était pas bon. Bah, il faut que tu sois là. C'est important pour la technique. Parce ouais, qu'après, pour le talon. Oui, c'est hyper important ça. Sinon, tu as tout fou après. Bon, celui qui est important, c'est celui-là. Les autres, voilà, les autres, c'est à la limite. C'est un 3,5, 4,5, on n'en a rien à péter. Alors, c'est juste pour. Mais celui-là, oui. Là, c'est sur la pointe du pied à gauche. Voilà. À gauche, hein. Donc là, celui-là, c'est lui qui va permettre toute la stabilité du genou oblique. Là, un petit peu, voilà, et tu m'emmerdes. Très bien. Et là, on repart. Là. Voilà. Tu vois, quand je ramène ce pied là, et toi, on y est presque là. Oui. C'est bon, hein. C'est bon. Hein. Encore une fois, on passe à autre chose. Ça suffit. Là. Ah non. Tu tends,
sans m'amener vers l'avant, c'est après. Tu vois ce que je veux dire? Tu prends, voilà, c'est ça.